Quelqu'un sait qui elle est. Amen. Le chant que nous allons chanter veut dire je sais qui je suis. Milolo, 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 milolo. Je sais qui je suis. Amen. We are a chosen generation. We are a chosen generation. Oh, for to show His excellence. All I require. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. Oh, for to show His. Walking in miracles, I live a life of favor. Cause I know who I am. Walking, I'm walking in power. Yeah, I'm walking in miracles, I live a life of favor. Cause I know who I am. What am I done? I'm walking in power. I'm walking in miracles, I live a life of favor. Côté de toi. Bien, la femme. Bien la saluer. Dis-lui, tu es la génération que Dieu a choisie. Tu fais partie de cette génération-là. Oh! N'oublie pas de lui dire, tu es appelé pour l'excellence. Pour l'excellence. Oh! N'oublie pas de lui dire, continue à vivre dans la faveur de Dieu. Alléluia. Et c'est formidable. Hein? Quand on entend les jeunes, on les voit, je dis, aïe, ils vont recommencer, mais ils oublient qu'il y a une vieille là. Il y a une vieille là, hein? À un moment donné, elle ne peut plus suivre. Amen. Vous savez, j'ai ma petite fille, chaque fois elle me dit, depuis quelques semaines là, quand elle me voit, elle commence avec ça. J'ai dit, oh non, Emma, mamie, elle n'a pas autant de force. Amen. Alors voilà, nous sommes là depuis vendredi. Je ne vais plus résumer. On commence directement. Pour ceux qui n'ont pas suivi,
Alors, je ne résume plus. Amen. C'est le thème, vous connaissez votre thème, puisque vous m'avez donné, c'est la place et le rôle. Parce que c'est bien de connaître sa place, d'être à sa place. Mais il y a un rôle à jouer à la place où tu es. Amen. Amen. Et c'est pour, justement, quand on retrouve sa place et qu'on doit jouer ses rôles, nous avons avant cela quelque chose que le Seigneur fait. On a parlé d'abord de la restauration. On a parlé de la délivrance. Et ce matin, on a parlé aussi de ce que le Seigneur fait. Amen. Hein? Comment il nous aide. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer à jouer le rôle. Amen. Et puis, je reçois aussi beaucoup de récompenses. Entre autres, la multiplication. Donc, je retrouve ma destinée. Amen. Multiplier, assujettisser, dominer. Amen. Je peux multiplier, je peux assujettir, je peux dominer sur la maladie, dominer sur les situations, dominer sur les blocages à partir du moment que je connais ma place et que j'exerce le rôle que je dois exercer à ma place. Amen. Chacune a sa place. Alors ne viens pas dire qu'on ne m'a pas donné ma place. Parce que la place, personne ne te la donnera. On a dit ça depuis vendredi. Ne crois pas que c'est le pasteur qui va venir descendre et dire, viens, va faire ceci. Ta place est là. Ta place est dans ceci. Tu dois prendre ta place. Amen. Et ne va pas quitter l'église en disant, moi j'ai quitté parce que moi j'avais des talents. On n'a pas reconnu mes talents. On ne m'a pas donné ceci à faire. On ne m'a pas donné cela à faire. Dieu va te dire, comme j'ai dit depuis vendredi, le diable est un menteur. Mais tu n'es pas petit non plus. Parce qu'on t'a dit, ta place, elle est là. Personne n'avait donné la place à Marie. Elle n'était pas invitée ni désirée. Vous savez, j'ai un ami, un pasteur colombien, le pasteur Fontavo, il dit, quand tu arrives dans un endroit où on ne t'accepte pas, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le sens tout de suite. Tu les sens que tu n'es pas le bienvenu. Tu sens qu'on ne veut pas de toi. Amen. Marie savait très bien qu'on ne voulait pas d'elle chez Simon. Mais ce n'était pas important. L'important, c'était qu'elle trouve sa place. Oui, je ne sens pas ma place à l'église, on ne veut pas de moi. Ce n'est pas ça l'importance. Si quelqu'un ne veut pas de toi, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu trouves ta place. Tu restes à ta place. Tu joues ton rôle à ta place. Et ta place, elle est là. Dieu l'a gardée pour toi. Chacune de nous a sa place, femme, au pied de Jésus. Amen. Ok. J'ai dit que je n'allais pas résumer, mais voilà. Alors, on vient à cet après-midi. Toujours la place et le rôle de la femme. Alors, je disais ce matin, quand j'ai entendu la proclamation de cette année et comment le Seigneur a inspiré l'homme de Dieu, votre pasteur, pour cette année, j'ai dit, waouh Seigneur, ça c'est bon. Amen. Oui, il faut vraiment que nous arrivions tous cette année. Je ne sais pas comment les autres comptent faire s'ils ne trouvent pas leur place. S'ils n'exercent pas leur rôle, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que ça ne va pas être, ce n'est pas facile, vous savez, ce n'est pas facile de débloquer les situations. Ce n'est pas évident. Il y a trop de blocages, des nœuds. Mais le pasteur a reçu du Seigneur que cette année, il y aura des déblocages. Chez tout le monde, ce n'est pas chez une catégorie, tout le monde va voir sa vie complètement débloqué, percé maintenant, pour toucher l'excellence, entrer dans sa destinée, toucher l'excellence. Mais pour cela, maman pasteur a reçu, il faut que chacun trouve sa place, exerce son rôle. Amen. Et je pense que ça, c'est vraiment bon. Alors,
On a tout à parler des maris. Tantôt, on faisait un commentaire avec le pasteur Eric. Franchement, si quelqu'un n'avait pas bien trouvé sa place, c'est Lazare. Parce qu'il est toujours resté à table. Et on n'a plus parlé de lui. Franchement, c'est lui qu'on a ressuscité. Si sa place n'était pas à table, il avait compris que sa place était près du Seigneur. En plus de parler de Pierre, c'est de lui qu'on allait parler. La moitié du Nouveau Testament, c'est lui qui devait écrire. Toi aussi, on t'a ressuscité des morts. À part à table, on n'a plus parlé de Lazare. La seule place que lui a trouvée, c'était à table. Marthe, la seule place qu'elle a trouvée, c'était de donner toujours à manger à Lazare et ça l'a tué. Arrêtez de donner à manger tout le temps à vos maris jusqu'à ça va les tuer. Tout le temps donner aux enfants à manger. Les enfants ont des joues comme ça, toujours manger, 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 manger. Marthe a tué son frère comme ça. Amen. Alors maintenant, nous allons trouver notre place. La bonne place. Alors, je vais dans la parole de Dieu. Allons-y ensemble. Aujourd'hui, on va voir une autre femme qui vraiment a trouvé sa place. Amen. Pratiquement, on va parler de plutôt deux femmes qui ont trouvé leur place et qui sont restées à leur place. La Bible parle de la première femme qu'on va partager ici. C'est celle qui s'est retrouvée au puits. Amen. Alors, là même, là où on peut trouver de l'eau, la Bible dit que dans les déserts aussi, il n'y avait pas d'eau. Et Dieu a donné de l'eau à son peuple à partir d'un rocher. Amen. Et la Bible déclare que ce rocher qui a donné de l'eau s'appelle Jésus-Christ. Il est le rocher qui donne de l'eau. Amen. Et cette femme, qui est la Samaritaine qui est partie pour chercher de l'eau, s'est retrouvée au pied, auprès de notre rocher, qui donne de l'eau de vie, qui donne de l'eau de vie, de la vie éternelle. Et cette eau de la vie éternelle, il la donne à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à travers le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que tu trembles un petit coup. L'onction de Dieu, ce n'est pas pour que tu tombes par terre. L'onction et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que tu restes à ta place, pour que tu trouves ta place et pour que tu exerces ton rôle auprès de rocher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais donc lire, je vais lire avec vous dans l'évangile de Jean, les chapitres 4, c'est un peu long, hein? 7 à 10. Après, on prend les versets 14 à 15, et après on prend les versets 24 à 30, et on termine avec les versets 39 à 40. Amen. Donc on prend par partie. Je répète ou bien c'est bon? C'est bon? Jean chapitre 4, on prend les versets 7 à 10, on prend les versets 14 à 15, on prend les versets 24 à 30, on prend les versets 39 à 40. Amen. Voilà. Et je donne directement le prochain qu'on va lire ensemble. C'est dans 2 Samuel, le verset 21, le chapitre 21, pardon, le verset 1, et puis on va au verset 6, les versets 8, et puis on termine avec les versets 10 à 14. Amen. Ok. Alors, on y va. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Amen. Alors, « afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser. » 23. « Dieu, amen, est esprit. Hein, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit, « Que lui demandes-tu ?» ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» On continue. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Beaucoup, 39, beaucoup de Samaritains et de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ses témoignages, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains les prièrent de rester avec. Amen. Et il resta là 2 jours. Jésus resta. Amen. La femme est celle qui sait comment faire rester Jésus dans l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises où quand tu rentres, tu te demandes pourquoi ils continuent à dire qu'ils sont l'Église. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont chassé Jésus. La femme qui a trouvé sa place, cette femme-là, saura faire rester Jésus dans l'Église. Amen. La femme qui a trouvé sa place et qui exerce son rôle, saura comment faire que Jésus puisse rester. Elle a trouvé sa place auprès du puits, auprès des rochers. On va rentrer dans les détails. Et elle a joué son rôle d'évangéliste. La première évangéliste femme. Elle a joué son rôle. Femme, ton rôle est d'évangéliser pour que Jésus reste. Ce n'est pas de chasser les gens dans l'église. Ton rôle est d'aller au contraire évangéliser, de ramener encore des personnes afin que Jésus reste. Femme, ta place auprès du puits, auprès du rocher, c'est pour que tu reçois. Tu reçois non seulement le Saint-Esprit, non seulement l'onction, mais la puissance infinie de Dieu dans tout son caractère, afin que tu demeures jusqu'à l'éternité une source d'eau qui continuera à jaillir. Jaillir les miracles, jaillir l'excellence. Tout ce qui sortira de toi sera excellent. Et tu continueras à jouer ton rôle, le rôle d'évangéliste. Tu es appelé à jouer un rôle d'évangéliste. Tu as reçu l'onction, tu as reçu le Saint-Esprit
pour que tu joues le rôle d'évangéliste, afin que Jésus reste dans l'église, afin que Jésus reste dans ta maison, afin que Jésus soit bien chez toi. Femme, tu as reçu ce rôle-là parce que ta place est près du rocher. Amen. Ta place est près du rocher. Et quand tu te retrouves à ta place près du rocher, non seulement tu recevras le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour que tu puisses faire semblant de prier en langue Coca-Cola, Fanta, Orange. C'est pour que tu fasses plus que cela. Ce n'est pas pour que tu trembles comme un drogué. C'est pour que tu fasses plus que cela. Pour que tu joues un rôle qui fera que Jésus va rester dans cette église, va se sentir chez lui, pour que tu donnes une fête chaque jour au Seigneur. Vous savez, on est là, on s'amuse, on est content, on danse, on loue, nous on est content. Dieu dit ceci, dans Luc 15, 10, je le lis pour vous de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La joie au ciel, c'est seulement pour donner la joie au ciel, il faut qu'il y ait un pécheur qui se repent. Pour cela, comme disent les Canadiens, ça prend des femmes évangélistes. Amen. Pour cela, il nous faut des femmes qui ont trouvé leur place pour aller évangéliser, afin qu'il y ait une joie dans le ciel. Parce que la joie que nous avons entre nous, dès qu'on sort de là, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus. Parce que les choses de tous les jours, ça nous rattrape. C'est pour cela que la Bible dit, écoutez-moi bien, la joie du Seigneur est la force de ma vie. Ma force, c'est la joie du Seigneur, pas ta joie. Il y a des gens qui pensent que ça veut dire que c'est ta joie. C'est quand toi tu es dans la joie que tu as la force. Mais est-ce que vous comprenez les Français? On dit c'est la joie du Seigneur. Donc la joie du ciel. Et c'est quoi qui fait la joie du ciel? Amen. C'est cette joie-là qui devient ta force. C'est ça qui va pouvoir devenir ta force. Et c'est ça la véritable joie. Parce que la joie de l'alcool, quand c'est fini, tu regrettes ton argent. La joie de la drogue, quand c'est fini, tu regrettes ta vie. La joie de danser un petit peu ici, quand c'est fini, le diable t'attend devant. Là, il dit, c'est pas toi qui avais dit que tu étais génération choisie. Attendons voir demain. On va voir au travail si tu es choisi là. Ça te ramène dans la réalité. Quand la banque va te téléphoner, tu n'as pas payé les remboursements de ton prêt hypothécaire parce que la maison que tu habites là, tu l'as achetée par crédit. Toi, tu as dit génération choisie, mais tu payes avec les crédits de la banque. La banque est là. Dis, c'est moi, les banquiers disent, c'est moi le chef entre-temps. Toi, tu règnes seulement là-bas, devant dans ton église, la chef de vérité. Là, tu dis, je règne. Je suis une génération pour l'excellence. La banque est derrière toi. Si tu n'as pas la joie du Seigneur, toute ta semaine, c'est foutu. Parce qu'on dirait qu'il y a des semaines comme ça où les factures là tombent, on dirait qu'on les a secouées. Et puis tu dis, mais j'avais payé. Comme ce n'est pas toi qui règnes là. Toi, tu règnes seulement ici. Tu règnes seulement ici. Pourquoi? Tu ne fais pas la joie du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée pour pouvoir vraiment régner. Pour pouvoir vraiment régner et comment débloquer les situations. Il faut rentrer dans la destinée. Et pour rentrer dans cette destinée, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire la joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Vous savez, j'ai vu quelqu'un ici, hein, pas plus tard qu'hier.
J'ai dit, mais tu as l'air triste. Ah, pasteur, la joie du Seigneur est la force de ma vie. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais quelle joie même toi tu donnes au Seigneur. Bon, elle va m'excuser que je l'ai dit, hein. C'est pour les autres, hein, pour les aider un peu. J'ai dit, mais quelle joie même elle donne au Seigneur. Elle est venue toute seule. Elle a amené personne. Elle dit, la joie que j'ai donnée au Seigneur, c'est ma force. Tu as donné quelle joie? Si chacun de nous ici, on voulait donner aujourd'hui la joie au Seigneur, on allait tous amener une personne, une personne. Si en une année, nous amenons qu'une personne, imaginez-vous combien de jours il y a en une année. Hein, vous qui avez été à l'école là. 360. Il faut les dire, mais les dire bien. C'est quoi ton problème? Dis-les, mais dis-les bien. Amen. Si toi, en 365 jours, on ne te demande pas beaucoup, on demande une. Nous arrivons en 2015, on a doublé. On ne nous demande pas beaucoup. Une. À chacun de nous. Pour faire la joie du Seigneur. Et cette joie qui sera la force de ta vie. Cette joie du Seigneur qui non seulement sera ta force, ça va tout débloquer dans ta vie. Une seule. Toute l'année là, depuis janvier, toi tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Pourquoi tu ne l'as pas amené? Comment c'est possible qu'on ne sait pas parler à une seule personne? La femme l'a amené tout un village. Tout un village. Elle n'a pas eu un an. Elle a eu quelques minutes. Elle est là à mener tout un village. Elle est là bien fait la joie du Seigneur. Hein? Waouh! Jusqu'à le Seigneur va dire, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Elle est là fait une joie au ciel. Elle peut dire, la joie du Seigneur est la force de ma vie. Toi, ne le dis plus. Si tu as amené personne, ne dis plus ça. Ne chante même plus. La joie du Seigneur, c'est ma force. Ne chante plus. Ne chante plus ça. Il faut même enlever ça du répertoire. Parce qu'on n'a pas dit que c'est votre joie. Nous aimons tout ramener à nous. Tu n'es pas le centre, vous, quand même. La Bible, ce n'est pas ton histoire ni mon histoire. Vous savez, c'est l'histoire de qui? D'un roi des rois et de son royaume. Amen. Ce n'est pas ton histoire. Donc, ça doit être ramené à toi, mais au roi des rois. Amen. Revenons à cette femme-là. Cette femme, elle est venue chercher son nom. Vous avez déjà entendu parler de ça. On vous a déjà dit ça sous toutes les formes, de droite, de gauche, de devant. On vous a déjà prêché cette histoire. On ne revient pas là. Mais cette femme-là est venue près du rocher. Le rocher qui est un rocher de scandale pour le monde, dit la Bible. Le rocher de scandale, mais choisi et précieuse devant Dieu. Le rocher qui donne l'eau de la vie. Le rocher qui fait jaillir l'eau qui coulera à jamais dans ta vie. Cette femme est venue près du rocher. Cette femme s'est retrouvée près du rocher. Près du rocher, c'est là qu'il y a ta place pour que tu puisses boire, afin que tu puisses donner. Et cette femme est allée. Les disciples, vous savez, l'histoire de Simon continue. L'histoire de Lazare continue. D'abord Simon, qui n'a pas invité la femme là, qui n'a pas lavé les pieds de Jésus, qui ne lui a même pas fait un bisou. Après, Lazare. Vous voyez ce que les hommes, comment, ça c'est les hommes, hein? Simon, Lazare, à table. Et puis, là les disciples, les 12, courent au village, les mêmes villages où les disciples sont allés pour ramener des brochettes, des boîtes de sardines, pour ramener du pain, pour ramener du thon, pour ramener de la chikwang, pour ramener des makayabu. Voilà tout ce que les disciples ont ramené du village. Ils ont fait la joie des personnes. Voilà les hommes, ce qu'ils ont ramené. Femme dit, maintenant c'est notre tour.
Hein? Et ils sont allés, hein? Ils ont ramené leur taux, ils n'ont qu'à manger. Jésus même a refusé de manger avec eux. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est notre tour, femmes. Nous, nous allons dans le même village où les hommes sont allés. Amen. De ville en ville, de village. Maintenant, c'est notre tour, femmes. Notre tour est arrivé. Ils ont eu leur chance. Ils sont allés. Ils ont ramené leur boîte de sardines, n'ont qu'à manger. Amen. Les hommes. Je sais qu'on se comprend, hein? C'est notre week-end. Okay, on nous a dit, c'est votre week-end. Alors, je parle pour nous. Amen. Vous avez eu votre tour. Vous avez ramené des sardines à l'église. Des boîtes de sardines. Vous êtes allé chercher du coca. Vous avez ramené à l'église. Nous, nous allons dans le même village. Amen. Nous avons décidé de faire la joie du Seigneur. Maman Déborah a dit que nous devons retrouver nos places. Maman Déborah a dit que nous devons exercer notre rôle. Et nous avons trouvé notre place près du rocher. Nous, nous avons dit, c'est près du rocher que nous allons nous mettre. Nous allons boire l'eau qui sort des rochers. Et nous allons devenir une source qui va jaillir. Et nous nous levons. Nous allons dans les villages. Cette année-là, femmes, nous avons décidé de faire la joie du Seigneur. Parce que déblocage, s'il y a, ça sera d'abord chez les femmes. Amen. Amen. Déblocage. Cette année-là, le pasteur a bien réussi. C'est pour nous. Ça doit se débloquer. Ta situation doit se débloquer. Nous allons au village. Nous allons au village pour ramener maintenant des âmes. Nous allons au village, femmes. Si à la fin de cette année, le pasteur appelle, qui a fait la joie du Seigneur, tu vas t'élever et tu vas prendre l'âme que toi tu as amenée, tu vas amener ici. Pasteur, voilà la joie du Seigneur. On ne vous demande pas beaucoup. Il nous reste combien de mois? Il faut compter. Quand on parle, il faut bien parler. Hein? Parlons, mais parlons bien, n'est-ce pas? Il reste 6 mois. 6 mois. Hein? Donc on peut commencer. On est les premiers. Hein? On est les premiers. Hein? Donc, nous mettons sérieusement. Parce que nous, le 31 décembre, quand ça va être fêté ici, nous allons faire vraiment la joie du Seigneur. Nous, on ne va pas danser pour la fin de l'année. La fin de l'année, l'année nouvelle arrive. Non, nous, on va danser avec le ciel parce qu'on aura fait la joie du Seigneur. Et nous allons rentrer en 2015 avec la force parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Nous allons amener des villages. Parce que s'il y a une qui amène une, ce sera tous les villages. Et Jésus va rester convenablement. Convenablement ici, dans notre église, ainsi que dans nos maisons. Quand Jésus s'assoit, on sent la différence. On sait qu'en tout cas, les gars, il est assis là. Ça ne passe pas inaperçu. On sent que dans cette famille-là, quelqu'un un jour a dit... La famille, là, on se demande si Jésus ne loge pas là-bas. Amen. On sent la différence quand Jésus est assis vraiment dans une famille. Ou comme je vous disais au début, là, quand tu es bienvenu, hein, dans une famille, dans un endroit, tu le sens. Mais si tu n'es pas bienvenu aussi, tu le sens. Amen. On ne doit pas te dire qu'on ne t'aime pas. Amen. On ne doit pas te dire. Je pense à une chose, c'est vrai. Il y a un endroit où on m'avait invité. Je suis allée prêcher. Croyez-moi. Même si on prévoit de me donner 1 million, on me dit de retourner là-bas pour prêcher, je n'irai plus. Tu rentres, tu sens même la froideur, quoi. Et puis on te regarde comme si tu descends de ton cocotier, là. Et puis,
on t'écoute pour, comme pour dire, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est toujours noire, elle n'est pas devenue blanche jusque-là. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vous assure, même si on me donne des millions, ils n'ont rien dit. Hein? La manière seulement, la froideur, la manière de regarder. Même s'ils me donnent des millions, je ne retourne plus. Je ne retourne plus. Alors, que ce ne soit pas ainsi dans ta maison, ni dans votre église, pour le cas de Jésus. Que Jésus se sente bien. Qu'on a fait sa joie. Amen. Parce que lui, là, sa joie, c'est simplement ça. Ce n'est pas beaucoup. Ah, Seigneur. Et les femmes savent faire la joie du Seigneur. Amen. Donc, les hommes sont partis dans les villages là. Ils ont ramené ce qu'ils avaient ramené. Et la femme, elle est partie toute seule. Pas en groupe. Alors arrête de dire, toujours c'est moi, fais. Oui, mais les personnes, les autres ne font pas. Ça, c'est pas ça. Pourquoi tu veux un groupe? Pourquoi tu veux un groupe? La femme est partie avec qui? Elle aurait pu dire, ah, et au moins, était à 12. Et à 12, ils ont ramené du pain et des boîtes de sardines. Elle était toute seule, elle a ramené tout un village. À toi toute seule, tu peux remplir l'église là. Celles qui ne veulent pas n'ont qu'à rester assises. Mais moi, j'irai. Moi, je ferai la joie du Seigneur. Moi, j'irai. Moi, j'ai entendu. Le peu que j'ai entendu. Je n'étais pas là vendredi. Je n'étais pas là samedi. Mais maintenant, je suis là. J'ai entendu. Le peu que moi, j'ai entendu. Moi, j'irai. Je ferai la joie du Seigneur. Seul, ou à 10, ou à 15. L'important, c'est que moi, je m'élève. C'est inutile de dire, c'est toujours les mêmes qui font ici, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Si la femme l'avait dit ça, on n'allait pas parler d'elle aujourd'hui. Amen. Elle aurait pu dire ça. Les hommes là sont partis. Pourquoi ils n'ont pas témoigné de Jésus? C'est vrai, qu'est-ce qui les a empêchés de témoigner de Jésus, de dire la même chose que la femme là? Qui les a empêchés? En plus, ils étaient en groupe. Qui les a empêchés? C'est qui les a empêchés. C'est qu'ils n'avaient pas encore compris qu'ils étaient à côté du rocher. Qu'ils avaient une place et un rôle. Quand on a une place, on a un rôle. Amen. Parce que c'est vrai que nous vivons dans une société où on nous apprend toujours. Tu as les droits à ceci, tu as les droits à cela, les droits, les droits, les droits et les devoirs. C'est pour qui? C'est pour qui? Amen. Tu as les droits critiques. Oh, droit à la critique, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Tu peux tout critiquer. Amen. Mais droit à la proposition, tu critiques, tu proposes quoi? Ça, on a oublié. C'est seulement critiquer. Mais tu proposes quoi? Droit à critique, mais droit à proposition est pour qui? Amen. Et c'est la même chose. Toujours, on est là, on a nos droits. On a nos droits et nos devoirs. C'est bien. Ta place est là. Prends ta place. Mais il y a les devoirs à faire. Amen. Donc voilà, cette femme, on va essayer d'aller un peu plus vite alors. Cette femme est allée près du rocher qui fait jaillir de l'eau. Et le rocher va lui dire, l'eau que je vais te donner, ça va jaillir jusqu'à l'éternité. Comme on a dit ce matin, il ne faut pas que ton absence... ta présence soit égale à ton absence. Tu es là, on dirait que tu n'es pas là. Toi, tu es à l'église, on dirait que tu n'es pas là. C'est la même chose. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, personne ne remarque même que tu n'es pas là. Personne ne te regrette même. On peut même faire un mois, on ne t'a pas vu, on ne s'est même pas rendu compte que tu n'étais pas là. Quand tu reviens, tu dis, j'étais malade pendant un mois. On dit, hey, ça fait un mois qu'on ne t'a pas vu. Parce qu'en fait, toi, ton absence et ta présence égale à ton absence. Vu que tu ne fais rien. Ta présence égale à ton absence. Donc, après tu es fâché que personne ne t'a appelé. Mais quand tu es là, c'est la même chose quand tu n'es pas là. Vous comprenez? Alors on t'oublie très vite, hein? Mais quand toi tu es là, on sait que toi tu es là. Toi tu fais, le ciel même sait que tu es là parce que tu fais la joie du Seigneur.
Alors, quand on va sortir, c'est moins 5 minutes là seulement que tu n'es pas là. On dit, aujourd'hui, on sent que maman Déborah n'est pas là. On sent qu'elle n'est pas là. Amen. Dis à quelqu'un, en tout cas, ma présence n'est pas égale à mon absence. Moi, je suis vraiment présent. Amen. Moi, je suis vraiment là. Et maintenant, vous allez sentir que je suis là. Il faut dire. Et maintenant, vous allez sentir que je suis là. Amen. Vous allez les sentir. Les femmes, maintenant, les hommes vont sentir que nous sommes là. Hey, les femmes, et ils vont sentir, les ciels vont sentir que les femmes de Shaddai sont là. Amen. Amen. Et les hommes, El Shaddai, commencez à suivre le mouvement. Comme dit mon mari, c'est difficile à suivre quelquefois parce que les femmes de Shaddai ont décidé. Elles ont décidé que vous allez sentir qu'elles sont là. Ici à El Shaddai, il y a des femmes. Amen. Des femmes. Alléluia. Amen. Le ciel va sentir. Le pasteur va sentir. L'église va sentir qu'il y a des femmes qui ont trouvé leur place dans cette église. Alléluia. Alors, on continue un peu plus loin. C'est extraordinaire comment Jésus est resté. Franchement, cette femme a pu faire rester Jésus. Elle était une femme comme nous, n'est-ce pas? En plus, elle, on dit que c'était une femme de mauvaise vie. Amen. Donc, c'est pour nous dire que Dieu, c'est pas ça qui est important. Ce que tu étais hier là, ce que tu as fait ce matin là, ça n'a pas d'importance. C'est le maintenant là où nous parlons qui compte. C'est le maintenant là. La décision de maintenant là. C'est ça qui va définir le demain et le après-demain et les milliers générations. Amen. Amen. Alors, oh, je vais faire la joie du Seigneur. Oh, j'ai envie de faire la joie du ciel. Ah, Seigneur. Jésus a dit, oh, amen. Bon, alors, allons-y vite dans... Parce que le temps aussi est en train de courir. Dans 2 Samuel, chapitre 21, 1, 6, 8, 10 à 14. Ouais. Amen. Oh ben, toutefois, le roi prit les deux fils qui n'héritent pas. Fille d'Aja avait donné à Saül, amen, Harmonie et Mephibosheth, ainsi que les cinq fils que Merab, fille de Saül, avait donné à Adriel de Mehola, fils de Barzillai. Verset 10. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher. Depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur le corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'a fait Rizpa, fille d'Aja et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galade. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus. Après avoir battu Saül à Gilboa, il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla ainsi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans les territoires de Benjamin à Tchéla, dans les tombeaux de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers les pays.
une femme. Une femme. Elle n'était même pas une femme légitime. Elle était une concubine. La concubine de Saül. Saül a trahi son alliance avec un peuple. Il a été sanguinaire. Il a tué, il a fait le mal. Et David va prendre le pouvoir. Des problèmes dans les pays, des famines, des pestes. Il va aller consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel va lui dire, c'est parce que Saül a fait du mal à ce peuple-là. Et David va aller voir ce peuple, demander, mais comment je peux réparer? Et ils vont dire, il faut qu'on nous donne cette personne de la famille de Saül pour qu'on les pende. Parmi ces personnes, on va prendre deux filles.